Philippe Rossignol a la cinquantaine, il vit en Belgique et à 20 ans, il a perdu sa jambe suite à un accident du travail. Aujourd'hui, Philippe est confondu avec un présumé pédophile. Certes, il est unijambiste comme le prévenu, mais physiquement, il y a des différences. Je suis bien portant, vous voyez. Lui, il est mec comme un clou. Il n'y a pas de longs cheveux. Il n'y a pas les yeux bleus. Non, on n'a aucune ressemblance. Impossible de sortir de chez lui sans se faire insulter. Et tous les jours, Philippe a peur. Je suis allé chercher mes médicaments au pharmacien, que là, on m'a interpellé, on m'a craché dessus, on m'a insulté, fait des menaces de mort. On me prenait pour lui, quoi. Quand je suis tout seul ici, je n'arrête pas d'y penser. Les nuits, c'est dur parce que le moindre bruit, je me réveille. Ce qui me fait plus mal, ce sont les crachats et les insultes. Depuis, Philippe reste enfermé chez lui, seul. Il ne veut qu'une chose, la paix. Qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse, quand je sors, qu'on me dise bonjour, comme avant. Qu'on ne parle plus de cette affaire. Mais pas d'excuses, parce que les excuses, je ne veux pas les accepter. Philippe attend le jugement impatiemment, car pour ce fan de Johnny Hallyday, les portes du pénitencier ne se fermeront jamais.